mesdames et messieurs, à trois tours de l'arrivée, madame, monsieur, vos encouragements pour les quatre hommes de tête. Aïe de mérite. Depuis le départ avec Alain Sinaner et bien sûr à ses côtés, Julien Prigent qui nous rejoignent, le Loudéacien et l'homme du Team Sojasen et deux coureurs. Et quand il peut... Mesdames, messieurs, vos applaudissements pour le peloton de contre-attaque qui nous rejoint sous l'impulsion de Mathieu Hopes avec à ses côtés la belle présence qui était significative. Remerciement à Dylan Morin. Qui nous rejoignent, la vaisselle lui également. Et on aperçoit les hommes de tête à 10 km 800. Du bonheur, ils ne sont plus que 3. À l'avant avec Jérôme Guérec en pole position, Lionel Laurent à la deuxième place. Et Alain Boulin en troisième position, va éviter la moto Info à rester avec les hommes de tête jusqu'au terme de l'épreuve. On invite à rester. Situation, les écarts étant deux hommes présents en contre-attaque maintenant, deux hommes parmi lesquels nous retrouvons Alain Sinaner et Julien Prigent, deux hommes qui sont certainement dans l'opportunité d'y croire. Et cette ambition, de nouveau, n'a plus de ressources visiblement pour Guillaume et l'occasion de patienter pour les derniers kilomètres de l'épreuve. Il a fait le plus dur de ce premier qui nous a rejoint, le septième, Kylian Turbin, qui nous rejoint. Visiblement, il est parti pour une très très belle saison. On retrouve Cyril Massé. On retrouve également la belle accélération qui était notifiée par Gotchovec. La moto info qui suit les hommes de tête. Et madame, monsieur, vos encouragements pour les trois hommes de tête. Jérôme Guérec avec Lionel Laurent. De l'arrière qui file peut-être une jonction probable dans les prochaines minutes. Il est parti de manière circonstanciée. Il imagine. Il est parvenu grâce à la jonction à faire une attaque similaire et de produire un nouvel effort à la Sinaner. Ne travaillons pas sur le passage. On a vu décider aux uns et aux autres. Sébastien Thomas qui nous rejoint avec Mathieu Hopes, avec Maxime Argel. Autre attaque de ces quatre derniers kilomètres qui nous permettra de rappeler une nouvelle fois que nous conduirons pour. Information qui va nous parvenir dans quelques instants, puisque le véhicule apparaît juste là-bas. Nous allons voir apparaître quatre hommes ou trois hommes. La réponse va être immédiate, juste derrière, avec l'attaque qui se produira dans les derniers mètres. On a la situation, le sprint lancé de très très loin. Situation qui nous permet d'avoir à la couleur. À la parade immédiate, la sensation avec Lionel Laurent et Kylian Turbin qu'on aperçoit juste derrière. La balle à Moulin, repose position avec Lionel Laurent à ses côtés pour la victoire du jour. Ça va être un duel jusqu'au dernier mètre pour la victoire du jour avec Lionel Laurent, avec Alain Moulin. Victoire de Lionel Laurent. Alain Moulin, en deuxième place, Jérôme Guérec, en troisième position, vous le saluez. Comme il le mérite, il a fait un superbe travail. Kylian Turbin, quatrième de l'échange du groupe, ça va payer. Rapidement également, et le troisième, Jérôme Guérec, rapidement pour la cérémonie protocole. Cinquième, Hubert Mio, sixième. Nous retrouvions la présence d'Alain Sinaner, septième de l'épreuve. Nous avions salué de ça 90 avec la belle place d'honneur obtenue par celui qui nous rejoignait dans le final, Erwan Argel, qui termine en belle place. Le peloton, nous rejoignons pour les places d'honneur. Belle victoire, la dernière.